On pourrait penser que la question du bonheur, c'est une question purement individuelle qui renvoie chacun à lui-même. On considère, nous, au contraire, que c'est une question très politique. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que la revue du projet du Parti communiste français a décidé de consacrer un numéro complet à la question du bonheur. On considère qu'il y a en quelque sorte des conditions objectives sans lesquelles il n'y a pas de bonheur possible. Alors, par exemple, de ces conditions, on pourrait indiquer le droit au travail, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Difficile d'imaginer qu'une vie puisse s'accomplir et se réaliser hors de ces conditions. Alors, après, évidemment, ça ne veut pas dire que l'État devrait en quelque sorte nous prescrire ou nous dicter ce que serait le bonheur. C'est simplement qu'on peut identifier, disons, des conditions de vie aliénées produites par le capitalisme, mais après, les formes d'épanouissement, les formes d'émancipation, elles peuvent être multiples. Voilà, et le rôle de l'État et de la politique, ce serait d'essayer de protéger justement toutes ces formes de liens sociaux qu'on retrouve dans le travail, qu'on retrouve dans la famille, qu'on retrouve dans les associations, dans les quartiers, et qui sont sans cesse menacées par le développement du capital dans nos sociétés. Oui, le capitalisme cherche à nous vendre un modèle de bonheur fondé sur les voyages aux Bahamas, les grosses berlines, tout un imaginaire qu'on retrouve des films de gangsters aux clips de rap. Mais je crois que notre rôle en tant que communiste, c'est aussi de critiquer ce type de modèle du bonheur, montrer que d'autres formes d'épanouissement sont possibles. Je pense notamment à la sphère de l'engagement, à tout ce qui permet de cultiver le lien social. Le militantisme, d'ailleurs, en fait partie. Hein, le militantisme, ça ne se réduit pas au sacrifice ou au calcul égoïste. Hein, ça dépasse cette opposition-là, et je crois que c'est aussi une forme de bonheur. Dans le numéro, on a essayé de poser la question du bonheur d'une manière un petit peu particulière par rapport à la façon dont les philosophes le font, c'est-à-dire non pas se poser la question du bonheur en général, mais de regarder comment cette question se décline, eh bien, à l'intérieur du travail. Donc, par exemple, évidemment qu'il y a du bonheur au travail, hein, il ne s'agit pas simplement de souligner la souffrance au travail qui est bien réelle et sur laquelle on insiste beaucoup particulièrement, mais il y a aussi du bonheur dans le travail. Alors, qu'est-ce que le bonheur dans le travail? Mais aussi dans les liens familiaux. En sortant aussi de l'alternative entre une famille oppressive ou une famille forcément épanouissante, mais aussi le bonheur dans le temps libre, le bonheur, ce que le sport peut apporter au bonheur, ce que l'éducation peut apporter aussi à la question de l'épanouissement.